Salut à vous tous, bienvenue dans le 12e journal La Bande Dessinée, spécial confinement, avec aujourd'hui Olivier Taduc. Bonjour Olivier Taduc. Bonjour. C'est un plaisir de te rencontrer. Partagé, sentiment partagé. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce confinement ? Moi, je suis prisonnier. Je suis prisonnier de ma table à dessin, mais ça depuis 30 ans, en fait. Donc, ouais. Le confinement, je ne connais pas. C'est quelque chose qui change rien à mon quotidien. À part, effectivement, la possibilité de sortir un peu dans mon jardin et vers le monde extérieur de temps en temps. Mais sinon, je suis un peu, comme tous les auteurs de BD, attaché à ma table. Et j'ai appris quelque chose sur toi qui m'a étonné. En fait, tu as fait des études de médecine. Donc, tu aurais pu être un médecin. J'ai pas été très très loin. J'ai fait, on va dire que j'ai fait deux fois la première année de médecine. C'est pas comme si j'avais abandonné en cours de route. Je crois que la médecine ne voulait pas de moi, et puis je voulais pas spécialement d'elle non plus. Je crois que j'étais quand même plus attiré par le dessin. C'était plus par par obligation familiale, on va dire, que mes parents souhaitaient ou avaient pour moi des grandes ambitions. Et le fait de pouvoir finalement leur opposer un échec a été pour moi libérateur. Ça m'a permis ensuite de m'intéresser à ce que j'avais envie de faire, quoi. Et tu es devenu un grand dessinateur, donc tu es la fierté de tes parents. Je te remercie. Alors, mes parents, effectivement, sont toujours en vie. Et donc, oui, ils sont assez contents de ce que je fais. Enfin, ils en voient une partie, finalement, assez distante, assez éloignée. Ils voient mes albums. Je ne suis pas sûr qu'ils les lisent. Mm-hmm. Parce qu'ils font partie d'une génération qui n'avait pas forcément l'habitude de lire de la bande dessinée et pour qui c'était un véritable effort, finalement, de lire. Quand on est petit et qu'on découvre la narration bande dessinée, ça devient ensuite très naturel de lire. Mais pour eux qui n'en lisaient pas et qui l'ont découvert finalement assez tardivement, je pense qu'ils ont plus feuilleté mes albums qu'ils ne les ont lus. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. J'avais envie, moi, de faire ce métier sans vraiment avoir leur assentiment. Ça a été, je leur ai un peu forcé la main, quoi, on va dire. Tu vois, quand tu t'es lancé la bande dessinée, tu as dit qu'on fait de la grande BD. Donc, moi, je pense à Sark avec Dieter. Mm-hmm. C'est vrai que c'était une superbe série, justement, pirate. Et après, en fait, tu as collaboré avec tout plein de grands scénaristes de bande dessinée. Comment est-ce que tu es arrivé à la BD ? Eh bien, comme tous les dessinateurs, ou la plupart, on va frapper aux portes. Et moi, j'ai frappé aux portes des grandes maisons d'édition, d'Argo, Lombard, etc., de l'époque, hein, dans les années 80. Et en fait, pour elle, j'étais intéressant, mais j'étais vraiment en devenir à ce moment-là. Donc, elles m'ont pas éconduit de façon définitive, mais on va dire qu'elles m'ont gentiment demandé de revenir éventuellement plus tard. Et en fait, quand on est jeune, on a surtout envie d'être publié pour pouvoir commencer à travailler. Et donc, j'ai revu mes ambitions à la baisse et je suis allé voir les journaux de bande dessinée pour enfants. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et j'ai démarré d'ailleurs avec Dieter au scénario. Parce que c'est vrai que j'ai fréquenté le milieu du fanzina. Et c'est dans ces moments-là qu'on croise des jeunes qui ont envie de faire le même métier que soi, quoi. Et ça a été les débuts. Et j'ai travaillé donc pour les magazines Triolo et du groupe Fleurus, et puis pour Bayard avec Je Bouquine, avec Okapi, voilà, des journaux comme ça. Et après, moi, ma grande découverte, moi je t'ai connu avec les voyages d'Akitakwan en 1925, c'était une belle reprise. Et là, c'était la rencontre avec Le Tendre.
Oui, c'est ça. En fait, Serge Letendre, je l'avais croisé grâce à un ami commun avec qui je travaillais, un autre dessinateur qui s'appelait, enfin, qui s'appelle Pierre-Yves Gabriand. Oui. Et avec lui et un troisième compère qui s'appelle Thierry Robin, nous avions formé un atelier, dans l'atelier de Pierre-Yves Gabriand d'ailleurs. Et c'est grâce à lui qui fréquentait Régis Loisel et d'autres dessinateurs que j'ai croisé pour la première fois Serge Letendre lors d'une soirée anniversaire. Et c'est des années plus tard que le destin nous a recroisés parce qu'en fait, c'est Guy Delcourt qui connaissait mon travail pour avoir signé à l'époque un projet avec Thierry Robin qui s'appelait Rouge de Chine. Et lui était venu à cet atelier. Donc Guy Delcourt était venu à l'atelier. Et il nous avait croisés et donc il m'avait ensuite sollicité pour reprendre les voyages de Takuan. Et donc c'est comme ça que Serge et moi, on a été amenés à collaborer ensemble. Et après, il y a eu un grand western en bande dessinée, c'était Chinaman. Et pour moi, Ouais. c'est impressionnant comme western en BD parce qu'on a l'impression de voir un grand film. C'est vrai que c'est un peu comme ça que j'ai conçu. Moi, en fait, pour tout te dire, la bande dessinée, pour moi, c'est un moyen de reconvoquer les souvenirs de cinéma. En fait, depuis tout petit, c'est comme ça. Je me souviens très bien que mes premiers dessins étaient liés, en tout cas, mes premiers dessins conscients, parce qu'effectivement, quand on dessine tout petit, on se souvient pas. Mais mes premiers dessins conscients, je dirais que ce sont des cow-boys et des Indiens, quoi, tout simplement. Et c'était, je pense, en réaction à un film que j'avais dû voir juste avant. C'est vrai qu'à l'époque où j'ai grandi, il n'y avait pas beaucoup d'émissions de télévision pour les enfants, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les jeux vidéo, il n'y avait pas tous ces médias qui nous permettent de nous distraire. Il n'y avait pas Netflix, par exemple. Donc c'est vrai que les enfants de mon époque étaient, on va dire, contraints à trouver des occupations, alors soit sportives, soit artistiques. Et moi, c'est vrai que je me suis beaucoup exprimé par le dessin. Je lisais beaucoup, faut dire, hein. Je lisais aussi beaucoup de bande dessinée. Mes parents avaient des Astérix et Obélix, pratiquement toute la collection à l'époque, dans les années 70. Je suis pas sûr qu'ils les aient lus, mais en tout cas, les albums étaient à la maison et moi, je les ai dévorés, lus et relus. Et ensuite, j'ai découvert Lucky Luke, enfin tous les grands classiques, Tintin, enfin bref. Et ça a entretenu mon désir de dessiner, en fait. Et c'est vrai que donc le lien entre le cinéma et la bande dessinée, pour moi, est extrêmement lié. Et d'ailleurs, quand je conçois une histoire, quelque part, je la visualise en tant que film. Après, à moi de choisir effectivement des images clés qui vont me permettre de raconter cette histoire. Mais c'est vrai que pour moi, il y a une grande filiation. Et pour moi, c'était le bel claque, justement, moi, Chinaman. Je suis fan, en fait, de Bruce Lee, de Jackie Chan. Et pour moi, c'était le premier héros en bande dessinée asiatique, si je ne me trompe pas, en fait, qui était dans le western. Disons que, alors dans le western, peut-être dans le western. Ouais. Alors c'est vrai, comme tu le dis, moi aussi j'ai été fan de Bruce Lee quand j'étais gamin, bien sûr. Hein, c'était un des premiers acteurs d'origine asiatique dans lequel les petits garçons de mon époque pouvaient s'identifier. Moi encore plus parce que j'étais d'origine asiatique, mais c'est vrai que je connais beaucoup de petits Français moyens enfin d'origine française pure, je dirais, qui se sont également identifiés dans Bruce Lee. Hein, mais c'était effectivement un personnage, enfin, c'était une espèce de légende, on va dire, hein, parce qu'il est arrivé en France, à vrai dire, il était déjà mort, donc c'était déjà sa légende qui perdurait à travers ses films. C'est vrai que j'ai par la suite découvert tout un pan du cinéma de Hong Kong. Qui m'a donné envie de faire cette série Chinaman. Ouais. Parce que Chinaman, pour moi, c'est la réunion d'un univers que j'adore, qui est le western, parce que j'ai vu des films quand j'étais gamin, parce que mon père adorait ça, donc c'était aussi une espèce de communion dans la famille.
Et ensuite, de mêler cet univers asiatique dans le monde du western, qui avait été fait d'ailleurs en partie dans une série qui s'appelait Kung Fu, avec David Carradine. Oui. Mais c'est pas cette série-là qui m'a donné envie de le faire, en fait. C'est quand je suis allé aux États-Unis au début des années 90, je suis passé dans le musée à San Francisco qui est consacré à l'immigration chinoise. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, ça serait super d'en faire une histoire, quoi. Voilà. Et de pouvoir créer une vraie saga, quoi. Une espèce de... Finalement, c'était un peu la série emblématique de ma carrière, quoi. Et il y a eu 10 albums. En fait, il y a eu 9 albums et je suis en train de travailler sur un 10e album qui est un album un peu à part, puisque c'est un album pour la collection Air Libre. Et c'est un album qui se passe effectivement avec ce même personnage, mais plus de 20 ans après. Donc, c'est une espèce de, on va dire, conclusion à cet univers. Donc, ça clôturera cette grande série, quoi. Et toujours avec le tendre au scénario, voilà. En fait, on coécrit. Depuis le départ, on coécrit. Super, ouais. Parce que cette série, initialement, je l'avais imaginée tout seul. Mmh. Et après avoir travaillé avec Serge Le Tendre sur Les Voyages de Takuan, qui était une série que j'ai adoré faire parce que effectivement on avait déjà un personnage asiatique dans cette série-là, mais ça n'était pas complètement personnel pour moi. Donc j'ai proposé à Serge, une fois qu'on a eu fini ces 3 tomes qu'on a fait ensemble, de repartir sur une autre aventure, mais une aventure qui me serait plus personnelle. Et c'est là que je lui ai proposé de travailler avec moi sur les prémices de ce qu'allait être Chinaman. Et donc, lui, qui ne connaissait pas trop l'univers, est allé aux États-Unis un peu plus tard. Et ça lui a permis à lui aussi de glaner de la documentation. Et la grande surprise, c'est que j'ai vu que c'est traduit en italien maintenant. Et c'est vrai que les Italiens sont fans de bande dessinée, justement, western avec texte. Ouais, ouais. Et je trouve génial, là, j'ai vu ça, j'ai dit, c'est super, traduit en italien. Et en plus, ils ont fait une édition qui est sympa, même si elle est en petit format, et ça, c'est un peu dommage, mais ils ont édité les albums en noir et blanc, ce qui fait qu'on a une vision un peu différente de la série. Et c'est ce que j'aurais voulu pour la France, hein, aussi, enfin, pour le lectorat francophone. J'aurais souhaité qu'il y ait une édition, justement, noir et blanc. J'ai eu droit à ça pour un seul tome, en fait, puisque j'ai fait une édition, on va dire, un peu plus luxe, pour un tirage de tête, pour le sixième tome de Chinaman. Et ça, j'étais assez content, ouais. J'étais assez content. Et donc, ça, c'est l'un des gros avantages, effectivement, d'avoir été publié en Italie. Mais j'ai été aussi publié en Espagne, j'ai été aussi publié en Allemagne. En Allemagne, où ça plaît énormément, cette série plaît énormément. D'ailleurs, j'étais relativement fier, mais le magazine Zack, qui est un magazine allemand, avait fait un sondage de toutes les séries qui étaient passées au sein du magazine, et nous avions fini premier. Voilà, donc j'étais assez content. Super. Voilà, j'étais assez content de cette performance, on va dire. Et il y a eu 3 albums d'une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Griffes Blanches aussi, oui. Avec Le Tendre. Oui. Et c'est vrai que c'est superbe aussi, du hyper-réalisme. Alors ça, c'était alors pour moi déjà une façon d'expérimenter la couleur directe. Oui. Parce que je, comme tout dessinateur qui maîtrise le dessin, on a quand même envie à un moment ou à un autre de toucher à la couleur, même si je l'avais expérimenté sur les couvertures de Chinaman, parce que principalement toutes les couvertures c'est moi qui les ai mises en couleur, mais pas l'intérieur des pages, parce que c'était trop de travail, on va dire que c'était assez fastidieux, à part sur les derniers où j'ai on va dire supervisé et corrigé éventuellement des couleurs sur les derniers albums, puisque c'était des couleurs qui étaient faites en numérique, donc c'était beaucoup plus facile de repasser dessus. Sinon, l'essentiel des couleurs, je les ai faites que sur des illustrations ponctuelles, telles que les couvertures. Et Griffes Blanches était pour moi effectivement l'occasion de tester mon habileté ou ma capacité à gérer des ambiances différentes, à gérer la narration en bande dessinée grâce à la couleur. Voilà. Donc ça, c'était un gros challenge.
Mais c'est une discipline assez longue et assez dure, la couleur directe. Enfin, pour moi en tout cas, longue, la couleur directe. Donc, je crois que je m'en tiendrai là, à 3 albums déjà. Je fais de la couleur encore maintenant, mais plutôt en numérique. C'est beaucoup plus confortable. Voilà. En tout cas, pour ce gros album de Chinaman, je le fais en numérique. Ah, super. Et il y a une série que j'aime beaucoup. Moi, en fait, j'aime tout ton univers des dessins. Et Ouais. il y a un univers qui m'a beaucoup touché. C'est sorti, en fait, pour la jeunesse et famille chez Dupuis. Mon C'est pépé est un fantôme. Et c'est vrai que bah, c'est beau. En même temps, ça explique plein de choses pour les petits et grands, hein, je trouve. Oui, c'est vrai que pour moi, c'était une envie de changer de style de dessin. C'est vrai que quand on fait ce métier, il y a une espèce de lassitude qui peut s'installer à répéter tout le temps les mêmes choses. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'entame une nouvelle histoire ou un nouveau cycle ou un nouveau, enfin plutôt un nouvel univers, j'essaye de trouver le graphisme qui va coller tout en restant relativement proche de ce que je sais faire. Mais là, effectivement, ça m'a demandé de bouleverser complètement mon style de dessin et d'aborder finalement un dessin humoristique. On va dire que la bande dessinée telle que je l'ai produite pour mon pépé, c'est une espèce de petit théâtre. Voilà, c'est une petite série, comme une sitcom. Voilà. Et donc, on a d'autres façons de raconter que la bande dessinée réaliste, qui est beaucoup plus cinématographique. On va dire que la bande dessinée humoristique, c'est beaucoup plus proche du petit théâtre ou de la série télé. C'est-à-dire qu'on a moins de scènes d'ensemble, on a plus de scènes répétitives, ou en tout cas d'images répétitives, parce que ce qui importe, c'est de faire bouger le petit monde à l'intérieur de ces images, plutôt que de bouger les images avec des cadrages différents à chaque fois. Et c'est une grosse. Enfin, pour moi, c'était une belle et grosse expérience. Parce que, voilà, essayer de se frotter à ce genre d'univers, c'est quand même toujours très, très passionnant parce que finalement, on s'adresse à un autre public. Et c'est vrai que pour moi, c'était l'occasion de m'adresser à un public enfant. Enfin, en tout cas, tout public, mais plutôt enfant. Et à travers ça, de m'adresser aussi à mes enfants, qui avaient une dizaine d'années à cette époque-là. Donc, on a conçu avec, mon camarade Nicolas Barral une histoire sur mesure. C'est-à-dire que lui avait dans ses tiroirs une petite histoire avec ce garçon et son grand-père en tant que fantôme. Et moi, je lui ai amené tout l'univers, on va dire, vietnamien et corse à la fois dans mon pépé. Parce que, effectivement, comme on le voit, moi, je suis d'origine vietnamienne. Oui. Et ma femme est d'origine corse. Donc, on a un peu réarrangé, on va dire, pas mal de choses, mais on parlait d'un quotidien qui m'était vraiment très familier. Voilà. Tout en exagérant, bien évidemment. Mais il y a des petits éléments qui sont vrais et qu'on a essayé d'installer là-dedans. Et ma dernière question, tu as fait le 11e album de 13 Mystérie. Oui. Est-ce que pour toi, c'était un rêve de gosse de dire, bah, je fais un album de 13? Un rêve de gosse, non, je dirais pas ça, parce que moi j'étais déjà adulte hein, quand la série 13 est arrivée. J'étais déjà en atelier avec Thierry Robin et Pierre-Yves Gabrielon, donc c'était fin des années 80, début des années 90. Je pense que le premier 13 est sorti en 88, quelque chose comme ça, on va dire, en 88, peut-être un peu avant, enfin bref. Il se trouve que donc j'étais adulte et j'ai lu ça comme tous les. Beaucoup de lecteurs, on va dire, puisqu'ils étaient assez nombreux. Mais c'était pour moi un grand classique, sans imaginer un jour que je ferais partie de l'aventure. C'est vrai que c'était un beau plateau, donc c'était difficile de refuser de participer. Pour moi, c'était un honneur de participer à cette aventure, quelque part. De travailler avec Luc, de travailler avec Dargaud sur ce grand projet. Ouais, c'était une belle aventure. Je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. C'est vrai que les gens qui connaissent mon travail ont vu un travail différent de ce que je faisais habituellement. Ça a été pour moi l'occasion de me frotter, même si j'en avais fait un petit peu dans Mon Pépé est un fantôme, mais de me frotter à un décorum quotidien, enfin dire classique, avec des voitures, des camions, des motos, des immeubles, même si j'en ai pas énormément. Parce que mon histoire se situe pas vraiment dans un contexte urbain. Mais c'était vraiment
Ouais, c'était vraiment une chouette aventure. Donc, Voilà. le prochain cinéma que je suis en train de travailler va sortir cette année. Hein. Alors, non, alors, et c'est pas plus mal parce que, Ah oui. avec, on va dire, cette période liée au Covid-19, c'est un peu compliqué de sortir des albums. Ouais. Je pense à tous mes camarades qui ont sorti un album juste avant le confinement. Je suis désolé pour eux parce que c'est vrai que ça va être des albums sacrifiés. Hein. Nos amis libraires en souffrent également, hein, puisqu'ils ont été obligés de fermer leurs officines. C'est vrai qu'il vaut mieux décaler les sorties. Et d'ailleurs, tous les albums qui étaient prévus entre, on va dire, le début du confinement et puis les vacances, là, vont être reportés à peu près en septembre. Donc, ça va être un sacré embouteillage, à mon avis, au niveau des sorties. Nous, il était initialement prévu fin de l'année pour une version noir et blanc et début de l'année prochaine pour la version standard air libre en couleur. Je ne sais pas ce qu'il en sera. Pour l'instant, j'imagine que Dupuis voit son catalogue lui aussi se déplacer. Donc peut-être qu'ils vont revoir les choses. Je ne peux pas dire. On est vraiment dans une grande période incertaine. Voilà, c'est comme ça. On est obligés tous de le subir. Ça ne change pas grand-chose, comme je le disais, à mon quotidien, puisque moi, mon travail, c'est de dessiner, et donc de dessiner à travers. Enfin, je ne peux pas tellement dessiner en voyage, je dessine dans mon atelier. J'ai plaisir à dire que je dessine dans ma cave, parce que je suis dans un sous-sol un peu enterré. Il y a une petite fenêtre qu'elle a qu'on ne voit pas, mais voilà. Mais sinon, voilà, ma fenêtre sur le monde, c'est à travers mes dessins, à travers Internet, à travers les conférences Skype ou autres que je fais avec des camarades dessinateurs, parce qu'on a une véritable vie d'atelier, hein. On peut avoir ça même en étant tout seul dans son coin. Et ça, c'est bien. Internet a changé nos vies et les gens confinés s'en aperçoivent maintenant également, parce qu'ils font pour beaucoup des apéritifs Skype. Voilà, c'est. C'est plutôt, ben voilà, c'est des choses que moi j'ai déjà pratiquées avant que Oui. les gens soient confinés, parce que ça m'arrive aussi de faire des apéritifs pendant qu'on travaille, mais en fin de journée, hein, pas à pas. Oui. Mais voilà, mais même effectivement, je peux être avec mon camarade Cœur de Riddle de temps en temps. Je crois que tu as interviewé il n'y a pas si longtemps, Oui. et d'autres, voilà, avec qui je suis en contact. Et ça, c'est déjà, voilà, c'est la vie que j'ai choisie. C'est pas une vie très festive, hein. On peut avoir une vision du dessinateur de bande dessinée assez glamour, mais c'est finalement c'est une vie de labeur. C'est une vie de labeur attachée à sa table à dessin ou à sa tablette à dessin, hein, parce que maintenant j'ai un peu les deux. Donc, on attend la fin du déconfinement, on verra. Enfin, l'arrivée du déconfinement plutôt. Alors super. Bah, je te remercie beaucoup, c'était super Je t'en sympa. prie, je t'en prie. Et Et puis puis, ben, au plaisir de se voir une fois en live. voilà, au plaisir Voilà. de se croiser en salon, Super. certainement. I will take you far away.